Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Travaillons dans l'unité pour un but commun ». Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Flashback, Anne nous parlera de la ville de Cali en Colombie qui a été gagnée à Jésus. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'unité. Aïe, un sujet qui est parfois un peu sensible. Oui, parfois, oui, travailler dans l'unité, ça marche pas pour tout le monde. Jonathan est sceptique. Il va falloir qu'on corrige ça. Jonathan est sceptique. Pourtant, c'est toi qui vas faire la pensée du jour et tu vas nous en parler. Non, c'est bizarre que tu sois sceptique. Non, mais il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Alors, je suis sceptique que ce soit aussi difficile. Ah, ben, c'est ça. Mais après, ta pensée, ce ne sera plus le cas. C'est une certitude. Les mentalités vont être révolutionnées. Donc, Jonathan, nous allons faire un petit peu de mathématiques avec toi dans la pensée du jour. Un plus un égale un est le titre de ta pensée. Jonathan, explique-nous ça. Tout à fait. Un plus un égale un. Vous allez dire, non, mais ça ne marche pas, c'est pas ce que j'ai appris à l'école quand j'étais petit, peut-être. Mais avec Dieu, ça marche comme ça. Et on est dans un autre paradigme ou dans une autre dimension, parce que Dieu est trois, mais il est un tout en étant trois. Vous voyez, donc il y a déjà quelque chose de le Dieu trinitaire est un. D'ailleurs, quand Dieu se présente, le verset le plus caractéristique dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu, et c'est le verset que le peuple d'Israël répète souvent, c'est ce qu'on appelle le Shema, hein, Shema Israël. Donc c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un ». Je le lis dans la Tob ici pour insister. Certains ont traduit « l'unique Seigneur » ou « le seul Seigneur », mais on peut traduire aussi « le Seigneur un ». Donc Dieu, c'est le un. D'ailleurs, dès le départ, Dieu nous invite à participer à cette unité, à ce un. Dans unité, il y a le mot un. Et avec un 1 plus 1 égale 1, avec Adam et Ève, les deux deviennent un. Vous voyez, dès le départ dans la Genèse, c'est comme ça que ça marche. Hein, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront un, une seule chair. Donc finalement, le un final est la somme des deux. Et les deux fusionnent en d'autres termes, 1 plus 1, c'est pas 1 fois 1. Enfin bref, wow. Si vous m'avez suivi ou pas, je vous ai peut-être perdu, mais c'est le but un petit peu. Je reviens donc à l'unité. C'est quoi l'unité? Comme le dit le mot, hein, l'unité, eh bien, ça parle de 1. Unité, c'est être 1, même si on est 2 ou 3. Cette unité, eh bien, c'est une prérogative divine. Ça fait partie du caractère de Dieu, d'être un. Et Jésus, dans le jardin de Gethsémané, prie pour cette unité. Dans Jean 17, au verset 20, il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, afin que tous soient un, dit Jésus, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. » Donc Jésus est en train de dire, de la même manière que le Fils est un avec le Père, il prie afin que nous, les disciples, nous soyons un. D'ailleurs, il conclut en disant, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Ça, c'est la prière de Jésus. Le but est l'unité. Le but glorieux, c'est donc l'unité des enfants de Dieu, comme le Père et le Fils sont un. En fait, nous sommes un. C'est même pas « il faut devenir un ». Nous le sommes déjà. Dans Romains 12, un verset qu'on va peut-être citer aujourd'hui, il est dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. »
quotidien. Alléluia. Nous formons un seul corps en Christ, alors que nous sommes tous membres les uns des autres. Et l'apôtre Paul le répète aussi aux Corinthiens. Enfin bref, il le dit à plusieurs reprises, on est plusieurs, mais on forme un seul corps. C'est pas « il faut qu'on soit un », c'est « on est déjà un mm-hmm. ». Et c'est ça qui va être important à réaliser aujourd'hui, c'est qu'en fait, le but, ce n'est pas d'être un, le but, c'est de vivre cette unité, c'est d'expérimenter cette unité. L'unité, ce n'est pas un concept théologique ici, abstrait, c'est réel, c'est effectif, c'est fait. En Christ, nous sommes un. Nous sommes frères et sœurs, nous sommes un, nous sommes une famille, nous sommes un seul corps. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. » Voilà l'objectif d'être ce parfaitement un. Il n'y a pas d'autre chemin que l'unité, c'est ce que nous sommes appelés à être, à vivre, c'est ce que nous sommes. La vie chrétienne, c'est être imitateur de Christ, que nous sommes un comme lui est un avec le Père. Maintenant, ça demande un effort. Et l'apôtre Paul nous dit « faites un effort ». Il nous encourage, il nous exhorte à faire un effort. Il le dit aux Éphésiens, mais il ne dit pas aux Éphésiens « faites l'effort pour être unis ». Il dit « faites l'effort pour rester unis ». Voilà ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur et avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » L'apôtre Paul est en train de dire « Faites tous vos efforts, efforcez-vous à garder, à conserver cette unité de l'esprit. » L'unité de l'esprit est là, mais il faut maintenant que nous en prenions soin et que nous gardions, que nous conservions cette unité. Et de garder en mémoire que le 1 plus 1 doit faire 1, que nous ne sommes pas appelés à être des individus pour former un groupe différent, mais nous sommes un et nous avons été un en Christ et nous devons conserver et veiller à cette unité. Alors en conclusion, puis c'est un petit peu ce que l'on veut faire aujourd'hui, Romains chapitre 14, verset 19, et je lis ça dans la Bible en français courant, « Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. » On doit chercher donc ce qui contribue à la paix, ce qui œuvre à la paix. Nous sommes appelés à être des ouvriers de paix, à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc c'est au travers de la paix qu'on pourra demeurer, rester un en Christ. Merci, monsieur le professeur de mathématiques. Heureusement que tu as été appelé à être pasteur et pas prof de maths. Dieu savait toutes choses. Alors, quand on est deux et qu'on s'avertit mutuellement, comme un homme averti en vaut deux, est-ce que ça fait qu'on est... Non, au final, on est toujours un. On est toujours un parce qu'on est unis. Exactement. En fait, on est tous des zéros. Oh et des zéros, ça ne vaut pas grand-chose. Mais si vous mettez le 1 devant des zéros, ça vaut beaucoup. Alléluia. Et le 1, c'est lui. Amen. Ah, tu t'étais gardé une super conclusion, comme ça, j'en veux rien. C'est clair. Merci, Jonathan, pour cette pensée qui nous a bien rappelé l'importance de l'unité. C'est essentiel, c'est absolument biblique, 100% biblique. Moi, quand je t'écoutais, je me suis souvenue de quelque chose que j'avais fait au tout début de ma vie chrétienne. Vous savez, on est jeunes convertis, on est tous zélés, on n'a aucune connaissance de ce qui peut se passer. Et on faisait une réunion d'évangélisation dans ma petite église. On était quoi, une quinzaine de membres. Et mon mari, Michael Lebeau, qui n'était pas encore mon mari, venait prêcher dans notre église, faire une réunion d'évangélisation. Moi, super zélée, j'ai écrit des lettres à toutes les églises évangéliques de la région pour qu'ils s'associent à cet événement. Et j'avais même spécifié dans la lettre que ceux qui allaient se donner au Seigneur iraient dans l'église de ceux qui les ont invités. Enfin, voilà. Mais j'avais écrit tout un texte, j'étais hyper zélée, j'étais dans la foi et tout. Je suis allée faire du porte-à-porte, déposer les lettres dans toutes les boîtes aux lettres de toutes les églises de la région. Il y en avait plus d'une vingtaine. Vraiment, j'y croyais à fond. Et les semaines ont passé et j'ai eu aucune réponse. Personne ne m'a jamais répondu. Et un pasteur m'a répondu quand même et m'a expliqué qu'en fait, il y avait des alliances évangéliques qui fonctionnaient. En Suisse, ça s'appelle le FENS, c'est la Fédération des Églises évangéliques, etc. Et puis, qui travaillaient en commun, donc avec leur réseau, et qui ne pouvaient pas forcément s'associer avec d'autres églises. Et ça a été
le choc de ma vie. J'ai dit, on est tous chrétiens, évangéliques, nés de nouveau, et on n'est pas capable de s'associer pour de l'évangélisation. Après, plus tard, j'ai compris certaines choses qui sont importantes quand même à comprendre, mais c'est pour dire que dans ma tête, c'était très simple. 1 plus 1 était égal à 1, dans ma tête de nouvelle convertie. Ça, mais c'est très simple, et sur le principe, c'est là. Oui. On est tous un et on est tous unis. Et même l'église d'à côté, s'ils ne veulent pas nous parler, ça reste nos frères. Oui. Ça reste des frères et des sœurs, et on est un quand même. Oui. Après, ce qui devient compliqué, ce n'est pas d'être un, mais c'est de le vivre et de l'expérimenter, de le montrer et de le démontrer, quoi. Exactement, exactement. Je vais vous montrer tout de suite le sondage que j'ai fait sur notre page, notre chaîne YouTube. Il faut que je me mette à jour avec tous ces termes. Hein. Sur la communauté, c'est ça, vous pouvez aller y répondre. Le sondage disait, pensez-vous que différentes églises peuvent travailler ensemble dans l'unité? Vous avez été 75% à répondre oui, bien sûr. Donc, je vois qu'il y en a plein qui sont zélés comme moi, 21% uniquement à certaines conditions et 3% non, ce n'est pas possible. Donc, de manière générale, les gens y croient quand même. Bah, c'est sûr que ça donne envie. Et souvent, on dit ah, si on se mettait tous ensemble, ça pourrait aller mieux. Après, je pense qu'il y a deux choses. C'est de comprendre la pensée que Jonathan a partagée. C'est qu'on est un, en fait. C'est déjà le point de départ. Et quand on se dit déjà on est un, on va vouloir marcher dans l'unité. Mais souvent, on veut être un. On se dit ce serait bien qu'on soit un, ce serait bien qu'on soit dans l'unité. Mais c'est déjà de se dire on est dans l'unité. Et quand on parle unité aussi, c'est quelquefois, ça peut faire peur aux églises finalement. Si on va faire un événement ensemble, mais est-ce qu'on va perdre des gens? Est-ce que les gens vont préférer l'autre église? Comment ça va se passer s'il y a des nouveaux convertis, etc. Et ça fait un peu comme une idée de fusion. Mais moi, si je dis je suis unie avec Anne, nos corps se fusionnent pas instantanément. nos comptes bancaires ne viennent pas de se fusionner. Nos familles ne viennent pas de se fusionner. Nos maisons ne viennent pas de se fusionner. Exactement. Mais on peut avoir une marche dans l'unité, être d'accord sur il y a des choses qui nous rassemblent, on peut faire des choses ensemble, mais on n'a pas fusionné, on n'est pas devenu un physiquement. Et en fait, de travailler à plusieurs églises, ça ne veut pas dire que toutes les églises vont devenir une seule église. Et quelquefois, je pense que c'est ça qui fait aussi un petit peu peur dans l'idée de l'unité, c'est comme la grande unité, mais non, c'est pas ça en fait l'unité. Et en fait, on le comprend, le modèle à l'intérieur de l'église, en disant qu'on est tous membres du même corps, mais qu'on est tous différents. Oui, oui, c'est vrai qu'à l'intérieur au niveau d'une église, de l'église, mais on devrait le comprendre au niveau d'une ville aussi, où il y a des églises différentes, mais qui font partie d'un même corps. D'accord. Et en fait, bon, ça pourrait être l'objet d'une prochaine pensée du jour, mais unité n'est pas égale à uniformité. C'est pas parce qu'on est un qu'on doit être comme les autres, et qu'on doit être dans un couple avec ma femme, on est un, mais on n'est pas tout à fait pareil. Effectivement. Pas exactement. Non, puis vous êtes deux individus, quoi. Vous êtes deux. Mais on reste un pareil. Et il peut y avoir deux églises différentes qui sont un, mais qui restent différentes, c'est ça, qui avec une identité qui est proche. Maintenant, là où c'est dommage, c'est quand les églises sont en division. Oui. C'est le terme que l'apôtre Paul utilise quand il y a un conflit, quand il y a... Non, l'unité, c'est aussi être ensemble. Oui. C'est un mot qui revient assez souvent. Donc, être ensemble, ensemble de cœur, ensemble d'esprit, ensemble concrètement sur le terrain aussi dans certains cas. Et c'est beau de voir des églises travailler ensemble. Puis, il y a différents niveaux d'unité. Oui. C'est-à-dire, on peut faire une réunion commune ou dire bon, on fait une réunion d'évangélisation tous ensemble, puis il y a des églises qui le font. Maintenant, après avoir un bâtiment commun, pourquoi pas, mais après, jusqu'où va... C'est devient plus délicat, quoi. Mais maintenant, c'est possible. Après, ça va dépendre d'un lien d'affection. Et puis, ça se construit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui. Et je pense que ce que dit l'Évangile sur les relations interpersonnelles, c'est valable aussi pour les églises. Et quand ils disent que les gens de l'extérieur qui vous regardent disent « Voyez combien ils s'aiment, comme ils s'aiment. » Je pense que c'est vrai pour les églises et qu'il y a un témoignage aussi au niveau de la ville. Quand il y a, je sais pas, 8-10 églises évangéliques et qui se tirent dans les pattes, qui se critiquent les unes les autres, c'est extrêmement dommageable pour toute l'œuvre de Dieu. C'est pas seulement, je sais pas ce qui motive les gens qui font ça, mais on pense, je sais pas, émettre un jugement, je sais pas, ou se protéger. Mais non, les gens qui entendent ça, ça met un discrédit sur tout le monde. Ça met un discrédit sur toutes les églises évangéliques.
et ou quand il y a un scandale chez un, ça met une tâche sur tout le monde. Et donc l'unité, c'est à une importance, comme Jonathan l'a dit, qui est spirituelle. Il y a une unité spirituelle entre, dans tout le corps de Christ, mais il y a aussi un témoignage. Et si on a des griefs les uns contre les autres, eh ben, c'est pas la peine de les déballer sur la place publique. Et puis à des inconvertis de parler mal des autres églises, parce qu'on fait énormément de mal. Et c'est de comprendre qu'on a un objectif commun, en fait. Parfois, on dirait qu'on voit certaines églises qui n'ont pas le même objectif. Pourtant, on a tous le même objectif. Et notre objectif, c'est vraiment de faire avancer le royaume de Dieu. Et quand on comprend qu'on a des objectifs communs, mais qu'on est un, mais ça fait en sorte qu'on travaille ensemble vers cet objectif-là. On ne se tire pas les uns sur les autres. Même si on reprend même l'exemple du corps, c'est que parfois, vous êtes déjà certainement mordu la langue, mais la langue et les dents travaillent ensemble. Les dents ne vont pas dire bah, « mais moi, je m'en vais, tu viens de me mordre ». Il y a la langue. Mais c'est la même chose, c'est qu'ils ont le même objectif, ils sont là vraiment pour travailler ensemble. Et en tant qu'église, on est là pour travailler ensemble parce qu'on a un objectif supérieur, ce n'est pas des intérêts d'église, c'est pas mon église doit être plus grande que l'autre, c'est pas les intérêts d'église, c'est vraiment les intérêts de Dieu, et c'est ça qu'on doit chercher, et c'est pour ça que on est en paix, c'est pour ça qu'on recherche, on veut rester unis, c'est parce qu'on recherche les intérêts de Dieu en fait, et pas nos propres intérêts. Exactement. Et l'église, c'est une famille, et dans une famille, on est tous différents. Il y a un oncle, un tel, il y a une tante, et il y a une grand-mère, et puis il y a un jeune adolescent. C'est sûr que le jeune adolescent ne va pas écouter la même musique que la grand-mère. Normalement pas. Mais pourtant, c'est la même famille, et ils sont un. Et peut-être certains vont dire, oui, mais dans cette église-là, ils ont de la musique australienne, ça fait beaucoup de bruit. Bon, ils sont peut-être un peu plus adolescents. Et dans une autre église, ça va être un peu plus calme. Bon, c'est peut-être plus grand-mère. Mais ça reste la même famille. Mais oui. Et il ne faut pas arriver à mettre en compétition en disant, l'église, ça doit être tout le monde comme ça. Non, on est ensemble. Ça commence par du respect, et à se respecter et à comprendre. Si on comprend qu'on est un, je veux dire, on va pas. Si on critique l'autre, on se critique soi-même. Jésus reprend Paul sur le chemin de Damas, il dit « Je suis Jésus que toi tu persécutes ». Pourtant, Paul, il avait affaire juste avec une église. Mais en persécutant cette église, il persécute Christ. Et nous, entre guillemets, peut-être pas le mot persécuter, ou en disant du mal ou en faisant du tort à une église, c'est Christ qui est attaqué, alors qu'on est une seule corps, il ne faut pas s'auto-mutiler. Exactement. On voit vraiment que c'est vraiment une arme du diable très facile à utiliser, la division entre les églises. Parce que si tous ensemble, dans une même ville, juste pour commencer, sans parler de pays, mais juste dans une même ville, on travaillait tous ensemble, ce serait juste extraordinaire ce qui pourrait se produire. Donc, travaillons à ça, faisons des efforts déjà, nous, de notre côté, avec nos frères et nos sœurs d'églises voisines. Même si on ne pense pas exactement de la même façon, on est frères et sœurs, on est un, qu'on le veuille ou non. La parole de Dieu l'a dit, donc on ne peut pas passer par-dessus. Et nous allons maintenant continuer avec la rubrique Flashback. Anne, aujourd'hui, tu vas nous montrer la puissance de l'unité pour amener le réveil dans une ville, mais presque dans une nation, j'ai envie de dire, parce que ça s'est bien répandu. Ça s'est bien répandu. Bah oui, ta dernière phrase, là, dans ta conclusion, c'était « il faudrait qu'on prenne conscience de l'impact que ça aurait si les églises s'unissaient ». Puis je voudrais enlever le conditionnel pour te raconter cette histoire-là. Oui, parce que là, il y a des gens, on enlève le conditionnel et on met l'indicatif, parce que l'histoire que je vais vous raconter, c'est des gens, des pasteurs, des églises qui ont mis ça en pratique et ça a eu des résultats absolument époustouflants, qui dépassent l'entendement. Et on remonte, ça fait 40 ans, en Colombie, dans les années 70. Et à l'époque, il y avait la ville de Cali en Colombie, donc en Amérique du Sud, pas Colombie-Britannique, la Colombie en Amérique du la Sud. Vraie. La vraie Colombie. Et donc, il y avait la ville de Cali qui était célèbre à l'époque. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais pré-ado et je me souviens avoir vu des reportages à la télé sur la drogue, sur le trafic de drogue. Et on parlait de Cali comme c'était la... réputé. C'était une ville qui était la plaque tournante mondiale du trafic de drogue. Et c'était vraiment une ville où... tout était touché par le trafic de drogue, toutes les institutions étaient touchées par les mafias de la drogue, les institutions comme les institutions, les entreprises, les écoles, les commerces, tout était contrôlé par le trafic de drogue.
Il y avait beaucoup de meurtres. Il y a plusieurs journalistes à l'époque qui avaient essayé de faire des reportages d'enquête sur, sur le trafic de drogue à Cali, qui avaient été assassinés. Ah oui, carrément. Ça ne faisait pas dans la dentelle. Et des organismes internationaux s'étaient intéressés au sujet et avaient essayé de mettre un peu d'ordre là-dedans, sans résultat. Des agences de sécurité gouvernementales aussi avaient essayé d'y mettre leur nez, sans résultat. La drogue contrôlait tout et c'était vraiment une citadelle imprenable. Mais quelques groupes de chrétiens isolés ont commencé à prier. Il y avait une association de pasteurs évangéliques qui était plus sur le papier. Bon, déjà, il y avait une bonne intention. Ils voulaient s'unir entre pasteurs de différentes dénominations évangéliques. Mais c'était juste sur le papier. Ils n'étaient pas vraiment très actifs. Mais chacun dans son coin faisait ses petites affaires. Mm-hmm. Mais au même moment, donc début des années 70, il y a un groupe de gens qui a commencé à prier et qui intercédait en secret pour un réveil à Cali. Et à ce moment-là, Dieu a appelé un couple de pasteurs. C'était Julio et Ruth Ruibal. On va voir leurs photos. Elle, c'est une Américaine et lui, c'est un Bolivien. Mmh. Alors, on va voir aussi une photo de leur famille juste derrière. Donc ça, c'est quand ils sont arrivés en Colombie. Mmh. Et voilà, donc monsieur et madame Ruibal avec leurs deux filles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Julio n'était pas colombien d'origine. Elle était américaine et lui était bolivien. D'accord. Et il était allé aux États-Unis à l'âge de 17 ans pour étudier à Los Angeles. Puis il était étudiant en médecine et il s'est converti. Et une conversion vraiment radicale. Il est retourné à La Paz en Bolivie pour évangéliser parce qu'il avait le feu de Dieu. Et à peine 20 ans, il a commencé à témoigner aux étudiants sur le campus et en quelques semaines, 5000 personnes se sont converties. Ah oui, quand même. Et Dieu lui a ouvert les portes un peu comme Billy Graham. Je vous ai raconté un jour l'histoire de Billy Graham. Bah, lui, il a vécu quelque chose d'assez similaire parce que le président de Bolivie de l'époque, avec sa femme, ils ont eu connaissance de ce réveil sur le campus de La Paz et ils ont convoqué cet étudiant pour savoir ce qui se passait. Et il leur a témoigné de la foi. Ils ont finalement accepté Christ. Ils ont demandé, le président, sa femme, que le jeune Julio prie pour eux. Wow. Et ils ont été tellement touchés par son témoignage qu'ils lui ont donné l'accès gratuit à tous les stades de Bolivie pour évangéliser. Le président a dit qu'il aurait la jouissance du jet privé de la présidence autant qu'il voulait pour aller évangéliser dans tous les coins du pays. Mmh. Et il a ordonné que tous les maires des villes où il viendrait prêcher devront déclarer un jour férié pour que tout le monde puisse assister aux réunions d'évangélisation. Wow. Quand je vous dis que la faveur de Dieu était sur ce jeune homme. Tapis rouge. Hein. Tapis rouge. Wow. J'en ai parlé un jour pour Billy Graham, mais pour cet homme-là aussi, c'était tapis rouge de Dieu. Et donc cet homme-là, vous voyez à peu près le profil, c'était un gars qui avait le feu de Dieu dans son cœur, sa femme aussi. Et il voulait servir Dieu au maximum. Et en 1978, Dieu leur a parlé et leur a dit d'aller en Colombie. Et personne ne voulait aller là. Vous vous doutez bien que ce n'était pas, pas un endroit très tentant pour un pasteur, alors que tout marchait bien en Bolivie. Il aurait pu rester là, se faire une grosse église. Mais continuer des vols en jet privé. Continuer à voler en jet privé. Mais là, ils ont obéi. Et donc, en 78, ils sont partis. Donc, lui, sa femme et les deux petites filles, qui étaient à l'époque bébés, se sont retrouvés à Cali, en pleine plaque tournante du trafic de drogue. Donc, vous voyez que le champ était quand même assez... c'était un gros défi. Mmh. Mais il était convaincu, enfin, lui et sa femme étaient convaincus que si les églises s'unissaient, l'emprise de l'ennemi serait anéantie. Ça a été une conviction, vraiment, dans un temps de prière. Mais évidemment, personne ne voulait le faire. Les églises évangéliques, là-bas, n'avaient aucune unité entre elles. Et Ruibal, donc l'épouse, a dit plus tard, il n'y avait pas d'unité entre les églises de la ville. Chacun menait sa vie chrétienne comme bon lui semblait et se contentait de bénir ses frères en leur souhaitant de merveilleux moments dans leur église. J'allais dire, c'est ce que font la plupart des églises dans chaque ville. Oui. On n'a rien contre les autres, mais on n'a rien pour non plus. C'est ça. On leur souhaite que Dieu vous bénisse. Mm-hmm. C'est exactement ce qui se passait à Cali. Et le pasteur Julio est rentré dans cette association de pasteurs qui était plus sur le papier qu'autre chose, mais il y a eu comme un petit conflit et il a dit je m'en vais de l'association des pasteurs. Et Dieu l'a repris en lui montrant qu'en faisant ça, il accentuait encore la division et le manque d'unité entre les églises. C'est ça. Et Dieu l'a vraiment secoué et l'a poussé à se repentir et il lui a dit tu ne dois pas t'offenser, tu dois pardonner. Et Julio a obéi, il a dit si je veux refléter le caractère de Christ, rien ne doit m'offenser. Alors, il est retourné voir les autres pasteurs et leur a demandé pardon. Pendant ce temps-là, un groupe d'intercesseurs a commencé à demander à Dieu comment ils allaient pouvoir gagner la ville.
Et à ce moment-là, Dieu leur a montré qu'il fallait trouver les racines spirituelles, j'allais dire, du mal qui touchait la ville. Et Dieu les a conduits à déterminer les forteresses spirituelles qu'il y avait dans Cali. Donc, ils sont partis deux par deux, par quartier. Ils ont pris une carte de Cali avec les différents quartiers et ils sont partis par équipe de deux arpenter les quartiers pour essayer de, évidemment, dans la prière, de discerner quels étaient les problèmes de la ville. Mmh. Et Dieu leur a vraiment révélé les différents problèmes, les différentes forteresses de la ville. Il y avait de la prostitution en plus du trafic dedans, il y avait toutes sortes de problèmes. Et là, ils ont fait une grande découverte. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une présence vraiment très large de l'occultisme dans la ville de Cali. Mmh. Et que les patrons de la mafia étaient les plus fidèles clients des voyantes et des guides spirituels occultes. Il y avait beaucoup de pratiques occultes dans cette ville et vraiment, ça a été une révélation. Ils se sont rendus compte de ça. Et les pasteurs et les intercesseurs de ce groupe d'unité des églises a commencé à combattre les forteresses spirituelles que Dieu leur avait montrées dans la ville. Et Dieu a mis dans chacun de leurs cœurs cette conviction qu'il fallait qu'ils s'unissent pour faire une nuit d'adoration et de prière pour la ville de Cali. Mmh. Alors évidemment, il y avait des gens qui disaient « mais ça ne marchera jamais, les gens ne sont pas motivés, il n'y aura personne », enfin tout ce qu'on entend généralement comme ça. Mais les leaders ont osé, parce qu'ils avaient compris que c'était vraiment la volonté de Dieu, et ils ont vraiment pris acte que Dieu voulait une unité, et une unité dans la prière pour gagner les forteresses de la ville. Et donc là, on est en 95, donc ça a quand même pris presque 20 ans, ce processus. Et avant la première, mais je vous l'ai souvent dit, avant les réveils, il y a plusieurs dizaines d'années de prière. Hein, ça ne vient pas en une semaine. Il y a des forteresses à abattre et ça ne s'abat pas par un claquement de doigts. Mm-hmm. Dans tous les réveils qu'on a vus ensemble dans Flashback, je vous ai bien exprimé que la prière était la clé et de longues années parfois de prière. Et donc en 95, on a la première veillée de prière à Cali. Alors, on peut peut-être voir une image du stade. Le maire de la ville a été invité. Ils ont commencé à prier pour les principautés, contre les principautés, les puissances qui dominaient sur Cali. Et le maire de la ville a été profondément touché. On va voir un visuel du maire de la ville. Et il a fait une déclaration. Ça, c'est les leaders en prière. Donc, toute église confondue. Et le visuel suivant, on va le voir. Le maire de Cali est monté. Il n'était pas spécialement chrétien, mais il avait été invité et il a été tellement touché par cette réunion, il est monté et il a dit que Cali appartenait à Jésus-Christ. Oh, wow. Et après cette déclaration, donc deux jours après, après cette nuit de prière, le journal local a mis en première page « Premier week-end sans meurtre ». Parce qu'habituellement, il y avait une moyenne de 15 meurtres par jour à Cali. Ah oui, et pendant deux jours, samedi, dimanche, il n'y avait eu aucun meurtre et c'était une grande nouveauté dans la ville. Deux semaines plus tard, le patron de la mafia était arrêté. Alors, encouragé par les premiers résultats de cette veillée de prière, les pasteurs ont décidé de recommencer. Ah ben, c'est clair. Ils ont loué le plus grand stade de la ville. Ils ont loué le plus grand stade de la ville, qui s'appelle le stade Guerrero. Il y a 55 000 places. Et là, 60 000 personnes se sont présentées. Ah oui. Donc, il y avait les gens assis et 5 000 personnes debout en bas sur le terrain. Et toute dénomination chrétienne. Et ont commencé vraiment à intercéder, à prier. Wow. Et donc, les réunions de prière se sont continuées comme ça pendant 9 mois. Et en 9 mois d'intercession... C'était pas un concert de musique, c'était une réunion de prière. Non, non, prière. 6 des 7 chefs des réseaux de mafia de drogue ont été arrêtés pendant les 9 mois, les 9 premiers mois de ces efforts d'intercession. C'est extraordinaire. Et la ville a commencé à changer radicalement. Alors, Julio Ruibal a été vraiment encouragé par les résultats, on s'en doute, on serait à moins. Mais là, il s'est retrouvé pris dans un conflit de voisinage. Il y avait un voisin vraiment très agressif et méchant qui a commencé à s'en prendre à lui, à le menacer, même menacer de mort. Oh. Alors, Julio a décidé de partir en jeûne et prière. Et le troisième jour de jeûne, Dieu l'a averti qu'il allait être violemment éprouvé, mais que cela allait vraiment déclencher le réveil en Colombie. C'est sympa. Ouais. Réjouis-toi, mais pas trop. Donc, mais c'est un peu comme... C'est un peu ce que Paul a entendu. Voilà, ce que j'allais dire, vas-y. C'est vrai. Quand Ananias est venu voir Paul, il lui dit, bon, ben... Tu vas aller prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, même à l'empereur. Mais bon, tu vas aussi être persécuté. Puis donc, après ces quelques jours de jeûne et prière, Julio est venu participer à l'association des pasteurs de Cali. Et il est intervenu au pupitre et il leur a dit que Dieu l'avait averti, que ce qu'il faisait était dangereux. Donc, il fallait vraiment se tenir en prière parce qu'il y avait un danger dont Dieu l'avait averti. À la fin de la réunion, cette réunion précisément, il rentre à pied chez lui et il y a deux tireurs qui l'attendent cachés dans les buissons qui lui tirent dessus et qui l'abattent. Oh
Pardon. Annabelle. Annabelle fait l'histoire. Annabelle fait les sons en backstage. Et donc là, il décède. Alors sa femme Ruth arrive sur les lieux du meurtre et le Saint-Esprit lui dit « Elle est précieuse aux yeux de Dieu la mort de ses saints ». C'est la version d'Arby, vous la connaissez peut-être dans Louis II, elle a, ou du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qu'il aime. Et Ruth, à ce moment-là, est convaincue par le Saint-Esprit qu'il fallait que cet événement arrive pour amener le réveil. Et elle a dit « Seigneur, ce que tu veux ». Et elle a dit en anglais, c'est une américaine, « It is well with my soul hein, ». C'est un cantique vraiment célèbre. Quel repos céleste. Quel repos céleste en français, si vous connaissez, qui est dans les ailes de la foi. « It is well with my soul », ça veut dire « Je suis en paix avec ça ». Attends, c'est à quel moment qu'il ressuscite, là? Eh ben non, tu vas être déçu. Tu vas être déçu et impressionné, parce que regarde ce qui suit. Déçu en bien, comme on dit en Suisse. Le jour de l'enterrement, environ 2000 personnes se présentent aux obsèques. Et des pasteurs qui s'opposaient auparavant, qui ne s'adressaient pas la parole, tombent dans les bras les uns des autres et se demandent pardon. Donc les derniers pasteurs qui ne faisaient pas partie de cette association et qui étaient vraiment réfractaires s'unissent complètement. Et là, ce jour de l'enterrement du pasteur Ruibal, ils font un pacte d'unité en déclarant qu'ils ne laisseraient plus jamais rien les séparer. Ils organisent une nouvelle veillée dans le stade. Il y a les 55 000 places qui sont complètement remplies et 15 000 personnes qui sont refoulées à la porte, qui décident de faire une procession, un cortège, et qui partent pendant plusieurs heures arpenter les quartiers autour du stade et qui partent dans une marche de prière qui a duré des heures. Wow. Et ça a été le début du formidable réveil de Colombie. Maintenant, on sait qu'en Colombie, il y a énormément de chrétiens. Mm-hmm. Dans les immigrants qui se présentent au Canada, il y a beaucoup de chrétiens. Mm-hmm. Et ils ont été réveillés. C'est des gens qui viennent des familles qui ont été réveillés pendant ce réveil-là. Et la ville a été complètement transformée dans les années qui ont suivi. La corruption a quasiment disparu. Les réseaux de drogue ont été complètement démantelés. Et il y a eu un immense réveil. Donc, il y a beaucoup de personnalités, même connues, qui se sont converties et qui se sont mis à témoigner publiquement de leur foi. Surtout des animateurs radio, télé, qui ont vraiment touché toutes les sphères de la société par leurs témoignages. Et on le sait, vous l'aviez vu dans une rubrique actu que j'avais fait sur les méga-churches. En Colombie, il y a d'énormes églises. Même à Cali, il y en a une de 35 000 personnes, mais ce n'est pas la seule, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui a 35 000 personnes. Et la télé chrétienne est très puissante en Colombie. Et tout ça vient de tout cet événement que je vous ai raconté. Et les autorités de la ville... C'est pas encore remise. Annabelle, c'est pas toi qui vas être veille. Les autorités de la ville ont reconnu les effets positifs de l'évangile. Elles ont demandé aux pasteurs d'envoyer des chrétiens dans les institutions de la ville. Ils ont dit « On a besoin de gens honnêtes comme vous ». Et ils ont prêté le vélodrome de 22 000 places gratuitement. Donc, je vous dis, Dieu est partout présent à Cali, dans les bus, dans les administrations, dans les commerces, dans les entreprises. Dieu est partout. Les gens se sont convertis massivement. Et Ruth Ruibal, qui est donc restée veuve avec ses deux filles, est maintenant pasteur de l'église. On va peut-être voir une image d'église. Ben, ça, c'est, il y a une image de l'église au tout début, hein, de leur début. Maintenant, c'est une énorme église. Mais ça, c'était l'église des débuts dans les années 70, le centre chrétien colombien. Et donc, elle est maintenant pasteur avec ses deux filles, Sarah et Abigail, qui l'aident dans toutes sortes de ministères. Mais elle est veuve. Elle est veuve, mais quelle gloire. Oui, je veux dire, on a des témoignages. Ben, l'apôtre Paul a été mis à mort aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours en passer par là. Mais c'était le plan de Dieu pour cette ville. C'est un homme, Julio Ruibal, qui a vraiment été exceptionnel dans sa génération. En Colombie, le fruit de son ministère est énorme. En Bolivie, son ministère a eu un fruit énorme. En Colombie, ensuite, son fruit a été énorme. On sait que l'Amérique du Sud est massivement réveillée et il y a beaucoup d'églises évangéliques en Amérique du Sud et c'est en grande partie grâce à Julio Ruibal. Donc, en tout cas, oui, il a été assassiné, mais Dieu savait, ça faisait partie de son plan. Ça peut paraître bizarre à certains en disant « Mais non, mais Dieu ne peut pas permettre ça. » Si, il l'a permis. Il le savait, il l'a averti, et ça a été pour un réveil extrêmement puissant en Amérique du Sud. Ah, c'est ça, c'est qu'à nos yeux, la mort, c'est comme une fin, mais pour Dieu, la mort, c'est pas une fin, en fait. C'est juste qu'on a du mal à saisir, parce qu'on pense à son épouse, on pense à ses filles, mais quand on voit les fruits qui sont sortis de ça, ce que je trouve triste, c'est qu'il ait fallu ça pour amener l'unité.
entre les pasteurs, en fait. C'est ça qui est dommage, c'est que l'unité aurait dû pouvoir venir d'autre chose, en fait. Mais sa femme témoigne qu'elle a eu une conviction du Saint-Esprit, que c'était dans la volonté de Dieu. Ouais, et elle a été consolée, elle n'a jamais été dans les problèmes à cause de ça. Mmh. Elle est parfaitement Elle a été révoltée. Elle n'a absolument pas été révoltée. La grâce de Dieu était là, quoi. La grâce de Dieu était là. C'est une femme de Dieu remarquable, cette Ruth Ribal. Elle a vraiment un énorme impact en Colombie, encore maintenant. C'est une femme qui est âgée quand même maintenant, mais... Elle a eu et elle a toujours un impact énorme. Mmh. Et cette famille a vraiment béni l'Amérique du Sud. Vraiment. Par leur obéissance. Mmh. Voilà. Je suis pas souvent là dans Flashback, mais je suis pas sûre que Yannine va me réinviter. Je suis trop... Tu vis l'action. Je pense que c'est la première fois qu'il y a une histoire qui finit avec la mort comme ça. Oui, brutalement. C'est non, mais c'est, fois, ouais. Ça veut pas dire que ça finit mal. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous avez un jeune qui est rempli du Saint-Esprit, qui fait des prodiges et des miracles extraordinaires et qui va finir lapidé. Oui. Mais ce martyr, quelque part, je rappelle que martyr en grec, ça veut dire témoin. Témoin, hein? Donc ce témoin va être un déclencheur de l'évangélisation. Parce que les apôtres, peut-être un petit peu comme les pasteurs à Cali, ils avaient besoin de quelque chose pour bouger. Oui. Et là, en fait, la persécution à Jérusalem a forcé en fait les apôtres et l'Église à sortir de la ville, aller en Samarie, puis un réveil en Samarie, puis aller en Judée, puis aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça. Donc, c'est pas que Dieu voulait qu'Étienne meure, évidemment, mais le mal a été transformé en bien. C'est ça. Bon, on a d'autres histoires. On a Jacques, qui est mort aussi décapité. Mmh. Bon, on n'en sait pas plus sur ce qu'il y a autour de cette histoire-là. Mmh. Mais la mort, c'est quoi ? La mort, c'est quelqu'un qui va rejoindre le Seigneur plus tôt que prévu. C'est ça. Tant mieux pour lui. C'est ça. C'est pour ceux qui restent. Moi, j'ai compassion pour cette femme. Je m'identifie, en fait. En fait, c'est ça, ce que je trouve vraiment beau dans le témoignage de cet homme, c'est quand on dit « prêt à mourir pour Christ ». Oui. C'est vraiment c'est mourir, ça. Quoi. C'est mourir pour de vrai. Ouais. Mais la Bible nous parle des martyrs, nous parle des saints, que leur sang crie et que la terre n'était pas digne d'eux. Et en fait, c'est ça, quoi, mourir pour Christ, la persécution, ça existe. Et franchement, il a dû avoir un bel accueil aussi. Ah, c'est clair, et sa femme aussi, on aura un bel... Billy Graham le disait, la mort, c'est pas un sujet de tristesse, c'est un changement de domicile. Oui. Et Julio Ruibal, il a été appelé l'apôtre de la Bolivie, mais je pense qu'il peut être aussi appelé l'apôtre de Colombie. De la Colombie, oui. Et c'est un homme qui a eu un fruit énorme à son ministère. Donc, c'est un changement de domicile. C'est et ça. Puis, sa veuve est la première à témoigner qu'elle a eu immédiatement la paix par rapport à ça, une paix surnaturelle. C'est extraordinaire. Paix et une conviction. Oui. Et puis, comme tu disais, il fallait une décharge électrique parce que la ville et le pays n'auraient pas été gagnés si certains pasteurs s'excluaient de cette unité qui commençait à y avoir. Il fallait que tous soient dans cette unité-là. Et il n'y avait pas encore tous, et il a fallu ça, pour que la dernière forteresse tombe et pour que les plans de l'ennemi soient complètement contrecarrés. Donc, ça prenait ça, et cet homme, comme tu dis, a dû avoir un accueil au ciel absolument fabuleux. Vraiment. Et puis les fruits qu'il a portés de son vivant sont équivalents à une autre vie qui... Enfin, même pas une vie entière, plus qu'une vie entière, en fait, tout ce qu'il a accompli de son vivant. Et ça confronte, je veux dire, quand on voit des témoignages comme ça, ça nous remet en cause, on se dit, mais on aimerait qu'il n'y ait que des bénédictions, des résurrections, des guérisons, on aimerait. Mais les plans de Dieu sont mystérieux pour nous parfois. Mais quand on voit les fruits, si ça... demander ça, comme Étienne a donné sa vie, Jacques a donné sa vie, Jésus a donné sa vie. Mais oui. Bah parfois, pas toujours, mais parfois, ça prend ça. Puis ça vaut le coup, finalement, en fait. Hein, c'est une vie pas entière. Pas toujours. Mais je me souviens quand la première fois que j'ai entendu cette histoire, il y a une vingtaine d'années ou un peu plus, j'ai dit à ma femme, moi, écoute, si je meurs, c'est pas grave. Hein, je veux dire que c'est par toi. C'est comme des fois quand je prêche à l'église. C'est extraordinaire, ton mariage. C'est comme quand je prêche à l'église, je ne dis pas si un jour je vais en prison. Je dis quand on sera persécuté. C'est pas si un jour on va être persécuté. Il faut être prêt. Oui. Et puis, ça fait partie de... Ça fait partie de notre appel. C'est vrai. Mourir m'est un gain. C'est vrai. Anne, réfléchir. Voilà quoi. Je te laisse digérer tout ça, Anne. Ah bah c'est déjà prédigéré. C'est bon. T'es habituée maintenant. Je suis habituée. Chaque mois, il te le dit ou... Non. Non, mais quand on sert Christ, il faut s'attendre à obéir, peu importe ensemble. Le prix. Oui, c'est ça.
Et le prix peut être très élevé. Exactement. Il y a des missionnaires qui racontent des histoires mais pour où ils ont payé un prix élevé. Mais oui. Pour l'unité, ça vaut la peine. Ça valait la peine parce que les forteresses ont été abattues quand même. Le fruit a été énorme. Exactement. Énorme. Amis pasteurs, n'attendez pas. Là, je vous encourage. Non, mais sérieusement, je sentais vraiment dans mon cœur. Ouais. Il y a certains d'entre vous, pasteurs, vous avez commencé un travail d'unité dans votre ville, dans votre entourage. Mm-hmm. Et c'est difficile. Vous trouvez ça dur. Et j'espère vraiment que cette émission vous a encouragé à persévérer dans ce que vous avez commencé à faire. C'est un travail extraordinaire. Lutter pour l'unité. Il n'y a pas de cause plus noble et plus importante pour Dieu. Donc persévérez, continuez, soyez encouragés. Et vous n'êtes pas obligés d'aller jusqu'à la mort quand même. Hein. Je vous rassurer. Merci Anne, cette rubrique était autant d'émotions en tout cas, mais très édifiante. Merci beaucoup et on se retrouve demain. Notre thème sera « Qu'est-ce qui dirige ta vie ?» Vous allez voir qu'on n'est pas dirigé toujours par ce qu'on croit. Et nous aurons la rubrique « Culture et médias » avec notre invité Alain Auderset. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, chers chroniqueurs, et bonjour chez vous.